Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Donc moi, comme vous savez, j'aime bien les animaux. C'est pour ça que je voulais vous les présenter. C'est des Philocrania paradoxa. Voilà. C'est-à-dire des mantes. Ce ne sont pas des mantes religieuses. Voilà. En voici une autre. Et l'autre, elle est en fond. Vous inquiétez-vous pas, elle est vivante. Vous allez venir avec moi quand même pour les déposer dans le terrain. Elle vient m'aller là. Voilà leur petit terrain. Donc au fond, ce sont des petits graviers. Là, j'ai mis de la roche, des petites plantes arrosées et ça mange des mouches. Voilà. Autour de la deuxième. Comme vous voyez, ceux-là sont des mantes qui s'élèvent facilement, vraiment très facilement. Ils mangent assez bien. Ils vivent en collaboration, en groupe quoi. Mais si on leur donne pas assez à manger, ils se mangent entre eux. Contrairement aux autres mantes, ils arrivent à vivre en groupe. Donc déjà, ça c'est un point pas mal. Et ils se reproduisent, bien sûr. Même si j'ai toujours pas de petits bébés. Parce que ça fait pas longtemps que je les ai, quand même. Alors, hop. On va la mettre sur le rocher. Hop, allez. Voilà. Et ben non. Alors, on va la mettre là. Voilà, elle est partie se cacher. Désolée pour la lumière, c'est la lumière du terrain. Donc voici la petite troisième. Elle n'a pas voulu que je la présente tout à l'heure. Et voilà, on va la mettre là. Elle, je sais qu'elle aime bien. Hop, tu me lâches mon doigt? Voilà, elle est là. Elle est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Elle est là-bas. Voilà. Voici leur terrain. Hop là. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était pour vous présenter mes Philocrania paradoxa. Donc des mantes qui miment la feuille morte. Ou Gosmantis en anglais. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche et laissez un commentaire. Au revoir les copains, les copines.